Salut, sunt Marius Constantinescu și am să-ți fac o mărturisire. Niciodată nu m-am dat în vânt după școală. E adevărat însă că au fost obiecte și au fost materii care mi-au plăcut în mod deosebit și dacă mă gândesc la școală și aleg să am amintiri din acea perioadă, mă duc în primul rând în această zonă. E o perioadă ciudată cea pe care o traversăm, o perioadă în care știu foarte bine, nu mergem, nu mergeți la școală. Cât va ține, probabil încă niște săptămâni bune de aici înainte. Este foarte important să știți că în această perioadă, televiziunea română, televiziunea publică, vă pune la dispoziție un proiect unic, numit Teleșcoală. Așadar, chiar dacă nu mergeți la școală, vine școala la voi prin intermediul emisiunilor televiziunii publice, prin intermediul profesorilor care sunt acolo special pentru a suplini perioada în care nu puteți merge și nu puteți învăța instituționalizat și sunt colegii mei care se asigură să aveți emisiuni proaspete și emisiuni cu informații utile în tot acest interval de timp. Spun utile pentru că vă pregătesc colegii mei și profesorilor invitați, inclusiv pentru foarte importantele examene ale capacității și ale bacalaureatului. Aveți toate materiile și toate informațiile care contează. Sigur că aveți și avantajul de a învăța de acasă, nu trebuie să vă mai treziți la o anumită oră, nu trebuie să vă mai deplasați până la școală. Dacă lucrurile acestea vi se păreau o corvoadă, credeți-mă că în scurt timp o să vi se pară chiar un lucru de dorit la care o să vă gândiți cu nostalgie. Până una alta, stați alături de programele televiziunii publice, stați alături de acest proiect unic numit Teleșcoală și cel mai important lucru, stați acasă și stați în siguranță, suntem în stare, depășim urgența, acestea sunt hashtag-urile sub care derulăm toată această campanie și toate programele televiziunii române în această perioadă și stați cu credința că vom depăși și aceste timpuri urâte, timpuri ciudate și că vor veni vremuri mai bune. Știați că franceza este a șasea cea mai vorbită limbă din lume după chineză, engleză, hindi, spaniolă și arabă? În prezent, în lume există peste 220 de milioane de vorbitori de limba franceză. Ați ghicit, acum ne pregătim pentru BAC, la franceză! Bonjour, je m'appelle Antoinette Bouchetouc, je suis professeur de français au Collège technique de poste et télécommunication Gheorghe Irinei de Bucarest. Et je vous souhaite bienvenue à la troisième leçon de français. Aujourd'hui, on va essayer un entraînement à l'écrit et à l'oral. Et la leçon a été conçue de telle manière que même les élèves qui sont pas en terminale puissent s'entraîner, puissent en profiter pendant cette période. On va commencer par un entraînement à l'écrit. Et voilà, dans la leçon d'aujourd'hui, on verra quelles sont les stratégies, quelles sont les étapes de l'apprentissage pour produire efficacement un message écrit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va essayer ensemble de repérer les savoirs dont on a besoin pour accomplir une tâche, de structurer les savoirs et éventuellement les compléter et finalement de les employer de manière correcte pendant la tâche. Je veux accentuer le fait que ça, c'est un travail préparatoire, mais essentiel. Et je vais vous dire que c'est peut-être important d'avoir ce type de méthode, d'avoir une méthode chaque fois que vous travaillez un sujet à l'écrit, un sujet à l'oral. Il ne faut pas se lancer tout de suite dans l'accomplissement de la tâche. Il faut un peu d'organisation. Il faut faire un inventaire des savoirs nécessaires pour faire ça et tout va être bien après. Donc, repérer, structurer, employer, ce sont
les trois étapes de l'entraînement. Et j'ai choisi pour aujourd'hui, un sujet proposé par le ministère de l'Éducation. Si vous vous rappelez, dans la dernière leçon, on s'est déjà occupé du sujet argumentatif, de l'exemple argumentatif. Donc aujourd'hui, on va insister surtout sur les sujets type 1. Donc, on commence par la lecture du sujet. Étape essentielle d'ailleurs, parce qu'il est important de bien lire, de bien comprendre ce qu'on veut de nous. Donc, je vais faire exactement ce que vous faites d'habitude. Je vais lire le sujet. Voilà, vous invitez votre ami à votre fête d'anniversaire, vous lui envoyez un courriel pour lui donner les informations nécessaires, date, heure, lieu, d'autres invités, et pour lui expliquer comment il ou comment elle doit s'y prendre pour y arriver. Il est important de bien comprendre le sujet, il est important de bien comprendre aussi qu'il faut avoir un certain nombre de mots, dans ce cas de 80-100 mots. Et on va voir aujourd'hui comment on se prépare, comment on s'organise pour que ce type de tâche soit un succès. Vous voyez qu'il y a une indication en bas du sujet. Votre nom est Olivier, Olivia. Très important parce que ça fait partie de la tâche, ça fait partie de ce que vous devez respecter pendant le travail. Et maintenant, je me suis mise effectivement dans la peau d'un élève, qu'il soit un élève de terminale, les élèves qui sont visés premièrement, principalement par ces émissions. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de vous donner des indices, non seulement pour ceux qui sont en terminale, mais pour ceux qui sont en 9e, en 10e, etc., parce que pour eux aussi, il est important de commencer à préparer, à avoir une méthode dès que possible, disons. Donc, on a l'exemple, on a la tâche, la tâche c'est écrire un courriel à un ami, et j'imagine que je dois faire cette tâche, et je fais un inventaire des savoirs nécessaires. De quoi ai-je besoin pour que j'accomplisse mon objectif? Et alors, je constate qu'au niveau formel, je dois formuler brièvement l'objet du courriel. Vous savez tous le format d'un courriel, d'un email, il y a toujours l'objet. Et quel est l'objet? C'est une invitation à ma fête d'anniversaire. Puis, parce que je dois écrire un courriel, j'ai besoin de formules d'adresse, j'ai besoin d'une formule d'appel, j'ai besoin d'une formule d'introduction, j'ai besoin de formules de conclusion et aussi j'ai besoin de formules de politesse. Alors, si je le connais, tant mieux pour moi. Si je ne les connais pas, alors, parce que je connais la structure d'un courriel, je m'intéresse, quelles sont ces formules. Aujourd'hui, vous les avez ici, donc voilà, les formules d'appel connues, chers amis. Cher ami, cher Paul, Claudia, salut, etc. Vous avez des formules d'introduction parce que vous devez annoncer quel est l'objectif. Je t'écris pour, j'ai le plaisir de t'inviter, je t'écris pour t'inviter. Et bien sûr, vous avez les formules de conclusion. Pour la conclusion, je te prie de confirmer ta présence, réponds s'il te plaît, réponds au plus vite s'il te plaît. Donc soyez poli, soyez simple, soyez concis, mais en même temps transmettez le message que vous voulez. Et bien sûr, parce que c'est un courriel adressé à un ami, on peut utiliser amicalement, amitié et même gros bisous ou à bientôt. C'est ça ce dont on a besoin au niveau formel. Il n'y a rien de difficile. Il y a des choses qu'on connaît dès la première année, peut-être la deuxième année d'études du français. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose pour un élève de terminale. Cela étant dit, on va passer au niveau des contenus, parce que ça, c'est la partie la plus intéressante. Voilà. Donc, dans le contenu, il y a des informations. Quelles sont les informations? Je vous rappelle le nom Olivier Olivia,
quel est l'essentiel du message, ce que je dois transmettre, ce que je veux transmettre. Je veux transmettre une invitation. Et puis, il est très important, pendant la lecture du sujet, de bien repérer les autres informations que je dois fournir à mon ami. Le moment, le lieu, la façon d'y arriver, donc la façon de, les modalités d'arriver. Donc, vous avez des exemples, je vais les lire si vous voulez. Donc, le samedi prochain à 14h chez moi dans la rue Marie Curie, le 15 juin à 14h chez moi à 22 rue Marie Curie. Donc il y a quelques variantes, disons, d'offrir cette information, l'important qu'elle soit là. Puis, on nous a demandé comment y arriver. Tu peux venir en bus, tu peux prendre le métro, puis vous pouvez donner d'autres indices, je ne sais pas, l'arrêt de bus est à deux pas de notre lycée, en face du restaurant X, en face du... Donc, vous pouvez donner toutes sortes d'indices. Il ne faut pas être très ciblé, très coincé dans l'imagination. L'important, c'est de bien... répondre aux demandes, aux consignes. Voilà. Et puis, alors, imaginez, donc, vous devez écrire ce courriel. Qu'est-ce qu'il vous faut du point de vue grammatical pour bien le faire? Premièrement, il vous faut l'indicatif présent. Il vous faut des verbes présents, les verbes usuels, je t'invite, j'organise, etc. Donc, vous pouvez utiliser des verbes simples au présent, ce que vous savez dès les premières années d'études. Vous avez besoin de quelques pronoms compléments, je te téléphone, je parle avec les autres amis, on va, je ne sais pas, je leur téléphone. Vous avez besoin de quelques verbes usuels irréguliers, venir, aller, mettre, boire, prendre. Tout ce qui est le champ lexical de la fête, ici, c'est à vous d'imaginer et éventuellement de faire l'équivalent entre ce que vous utilisez en roman et ce que vous utilisez en français. Puis, vous avez besoin de verbes réciproques, se rencontrer, se voir, donc vous avez besoin des pronoms, nous, nous, vous, vous, etc. Vous avez besoin d'un peu de conditionnel parce que vous faites finalement une sollicitation, une demande et ça doit être poli. Vous avez aussi besoin de quelques localisateurs, donc quelques mots pour localiser en temps et en espace. Cette semaine, le week-end prochain, tu vas venir d'eux, tu viens d'eux, tu vas, je ne sais pas. Donc tout ça, j'ai déjà mis dans cette diapo. Donc voilà. Et bien sûr, parce que vous avez 80-100 mots à écrire, il y a aussi quelques articulateurs du discours et alors, donc, parce que, évidemment, vous ne pouvez pas faire des phrases complètement, tout à fait simples. Vous avez besoin d'un peu de phrases complexes. Et ça, c'est, je crois, ce travail de repérage, s'il est bien fait, si vous vous organisez bien dès le début, plus de moitié de la tâche est résolue parce que il est essentiel de bien savoir ce dont vous avez besoin pour écrire ce courriel. Donc c'est une sorte d'organisation mentale, c'est une sorte de repérage de ce qu'il vous faut, des éléments simples mais absolument nécessaires pour écrire le email. Et voilà, après on procède à l'exécution. Puis, bien sûr, il vous faut des éléments lexicaux. Il vous faut des éléments qui parlent de loisirs. Vous devez être capable d'exprimer l'heure, la date, les jours de la semaine, les lieux, les moyens de transport, les actions de la vie quotidienne. Voilà. Parce que c'est une fête, alors il serait nécessaire de connaître un peu de vocabulaire en ce qui concerne les aliments, les repas, la cuisine, pour donner du contenu lexical, non seulement formel, mais aussi lexical à votre production. J'ai mis des structures relativement simples. Il ne faut jamais se compliquer lorsqu'on peut
faire les choses simples. Alors, vous utilisez jouer à, jouer deux, plus instruments, regarder un film, danser, etc. Très important, quand vous exprimez un intervalle horaire, vous dites deux à, etc. N'oubliez pas la manière de dire la date, etc. Le métro, le bus, le train, ça vous connaissez. Donc, il n'y a rien de nouveau pour les aspects lexicaux. Et voilà. Après avoir fait cet inventaire, il est nécessaire de voir où en êtes-vous, à quel niveau vous maîtrisez ces savoirs. Et pour cela, je vous propose aujourd'hui d'identifier une affirmation qui n'est pas vraie dans une succession d'affirmations et de trouver les fautes de la lettre, les fautes qui existent dans une lettre modèle. Les affirmations sont « pour donner la date complète, nous ajoutons l'article « le » devant la date. Exemple, Jean Lennon est né le 9 octobre 1940. Puis est un adverbe que l'on emploie pour introduire un nouvel élément. Exemple, je fais mes devoirs, puis je sors. Depuis est une préposition qui peut avoir un emploi à la fois temporel et spatial. Exemple, depuis une semaine, les collaborateurs du monde travaillent quasiment tous depuis leur domicile. Une autre affirmation, voilà, je vérifie la maîtrise du lexique et de la grammaire. Les terminaisons du présent de l'indicatif varient selon le groupe auquel appartient le verbe. Les terminaisons du futur simple de l'indicatif sont les mêmes pour tous les verbes. Et « a »,« a »,« on » et « on », vous connaissez, je l'espère. « À droite » et « tout droit » sont synonymes et l'année est toujours introduite par la préposition « en ». Vous devez lire attentivement ça. Si vous repérez la phrase qui est fausse, qui n'est pas vraie, alors on peut dire que vous avez un minimum de connaissances pour bien accomplir cette tâche. Voilà, j'espère que vous avez repéré la phrase qui ne disait pas la vérité. À droite et tout droit ne sont pas synonymes. Voilà. Et puis, j'ai imaginé une lettre. Cette lettre a des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, et vous devez repérer les fautes. Voilà, je vais lire. « Chère Claudia, je t'écris pour t'inviter à la fête de mon anniversaire. Je t'attends donc le samedi prochain à 14h, rue Marie Curie, parce que cette année, on se rencontre chez moi. » Il y aura toute notre classe, sauf Paul, qui est encore malade, et Martine, qui ne vient jamais à mes fêtes. Depuis une semaine, il y a des travaux au RAM, donc tu ne pourras pas venir comme d'habitude, mais tu as un bus de remplacement, le 44, et tu descends au même endroit. L'arrêt de bus est à deux pas de la station de tram. Je compte sur toi pour la musique, alors je te prie de me confirmer la présence avant mercredi. À bientôt, Marie. » Avant de procéder à la vérification des fautes, à l'identification des fautes, je voulais vous dire qu'il ne faut pas perdre le temps. Bon, pendant l'entraînement, on peut le faire, mais il ne faut pas perdre le temps lors de l'examen à compter chaque mot. Vous faites une moyenne, vous observez combien de mots vous écrivez sur une ligne et puis vous additionnez les lignes. Et c'est ça. Bon, c'est le email. Et j'espère que tout le monde a trouvé les fautes suivantes. Vous observez, d'accord, donc Claudia est féminin et moi j'ai utilisé le masculin. Le E n'a pas d'accent et la terminaison verbale n'est pas correcte. On devait avoir le S. Après une préposition, vous avez le verbe à l'infinitif, ce qui n'est pas exact dans mon email. Puis, vous avez une autre erreur pour le verbe attendre. Chez moi,
C'est voilà, une confusion entre le pronom et le nom. Une autre faute pour le verbe venir. Il y a aussi une faute pour le verbe pouvoir, pour le verbe descendre. Et bien sûr, j'ai oublié la consigne. Je ne m'appelle pas Marie, je m'appelle Olivia ou Olivia. Si vous observez le type d'erreurs que j'ai introduit, que j'ai glissé dans mon email, ce sont des erreurs très courantes parce que, au point de vue phonétique, ça ne me dérange pas du tout. Lorsque je dis porte invitée, c'est pratiquement zéro différence entre le participe passé et l'infinitif. J'ai choisi des verbes usuels, des verbes que normalement vous connaissez pour cet email. Et si vous regardez attentivement cette structure, si vous analysez l'inventaire de savoirs que nous avons fait au début de la tâche, vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Il suffit d'être attentif, il suffit de lire attentivement et d'avoir un minimum de connaissances lexicales et grammaticales. Bon, on continue. Voilà. Pour vous, parce que c'est une question d'entraînement, j'ai mis ici des sites pour vous repérer, pour vous entraîner. Pour les verbes, vous avez le conjugueur du Figaro. Pour la conjugaison, vous avez aussi un site construit par le Nouvel Observateur. Et pour les autres savoirs, pour d'autres savoirs, consultez le site de Radio France Internationale. Bien sûr que ce n'est pas une information exhaustive. Si vous avez d'autres matériaux pour l'entraînement, libre à vous de les exploiter, libre à vous de travailler avec ça. On finit avec le premier sujet. Pour le deuxième sujet, c'est le sujet de type argumentatif. Je vais le lire maintenant. Un monde sans violence serait-il à envisager? Qu'en pensez-vous? Donnez votre opinion dans un développement structuré et argumenté de 160-180 mots. Je vous invite à regarder pour bien travailler la structure du texte argumentatif, je vous invite à regarder notre émission, notre leçon du 10 avril 2020, parce que là, dans cette émission-là, j'ai expliqué toutes les étapes de l'organisation et de la production d'un texte argumentatif. Inutile maintenant de les reprendre, donc je répète, l'émission du 10 avril, www.tvre.ro Telescuola. Donc, cette émission pour toutes les informations dont vous avez besoin. Maintenant, je fais simplement une vérification. Ensemble, on va faire une vérification pour voir la préparation des sujets de type argumentatif. Et je vous propose d'associer des phrases aux parties d'un essai argumentatif. Vous savez que les parties sont l'introduction, le développement et la conclusion. Vous le savez, j'espère. Donc, première affirmation. Enfin, il faut observer que les mécanismes de réglage des micro-sociétés sont de plus en plus performantes. Les leaders autoritaires disparaissent peu à peu pour faire place aux diplomates et aux bons communicateurs. Deuxième phrase, la violence fait partie du tissu social de l'humanité. Les civilisations qui n'ont pas eu la force de se défendre ont disparu l'une après l'autre. Troisième phrase, deuxièmement, l'accès à l'éducation, l'accès à l'information comme jamais auparavant contribue à la consolidation d'un profil moral pacifiste, tolérant et progressiste partout dans le monde. Et la dernière affirmation, soyons donc confiantes dans la capacité de cette jeunesse globaliste de créer un monde harmonieux dont on rêve depuis des générations. Donc voilà, vous avez quatre affirmations, associez-les
à l'une des parties du discours argumentatif, introduction, développement ou conclusion. Pour faire une bonne figure, il faut analyser les éléments qui vous aident à repérer. Par exemple, pour la première phrase, vous avez « enfant ». Pour la troisième phrase, vous avez « deuxièmement ». Pour la quatrième phrase, vous avez « donc ». Et pour la deuxième phrase, vous avez le mot « violence », suivi d'une affirmation plutôt générale, donc il n'y a rien de concret. Ça veut dire qu'automatiquement, quand vous lisez cette phrase, vous pensez que ça fait partie de l'introduction. Donc, si vous avez bien lu, j'espère, je l'espère, vous avez pu observer que la première phrase, c'est le développement, que la deuxième fait partie de l'introduction, puis de nouveau il y a une phrase qui fait partie du développement parce que ça commence par deuxièmement, et la dernière phrase qui contient le donc, c'est une phrase annonçant la conclusion. Voilà. Cela étant dit, j'espère que maintenant vous avez une image complète des deux types de sujets possibles à l'écrit, donc le email, la lettre, le courriel, la production qui tourne autour de 85 mots et qui est normalement qui demande, qui exige des connaissances qui sont relatives au niveau A1, A2. Je répète, pour le discours argumentatif, regardez notre leçon antérieure et comme ça, vous avez les deux sujets, les deux informations. Maintenant, on va commencer l'entraînement à l'oral. Je vais essayer de compléter aussi d'autres informations qu'on a vues dans les émissions, dans les leçons antérieures. Et voilà. J'ai choisi... Comme pour la première partie, j'ai choisi toujours comme point de départ un modèle proposé par le ministère de l'Éducation. Vous voyez, c'est l'épreuve C. Et vous avez les trois sujets. Si on est touriste, pourquoi est-ce qu'il faut venir à Bucarest? Ça, c'est le premier sujet. Quand vous étiez petite, c'était quoi un samedi typique? Parlez-en, donc c'était le deuxième sujet. Et le troisième sujet, certains pensent qu'il vaut mieux se soigner par les plantes. Qu'en pensez-vous? Argumentez votre réponse. Le degré de difficulté va du plus simple au plus complexe comme d'habitude. Pour les premiers deux sujets, si vous vous rappelez, on a déjà discuté dans une émission antérieure, donc... aujourd'hui, je vais vous donner seulement quelques indices. Donc, pour la leçon, pour les premiers deux sujets, dans la leçon du 7 mai, vous avez eu un modèle pour trouver efficacement en condition d'examen des idées pour répondre au sujet. À ce moment-là, je vous conseillais de mettre au centre de la feuille le mot-clé de la consigne, pourquoi venir à Bucarest, respectivement un samedi typique. Et puis, brièvement, vous associez plutôt des lexèmes, plutôt des mots à ces idées pour ne pas vous lancer inutilement dans des recherches. Par exemple, pourquoi venir à Bucarest? Vous avez les musées, vous avez les parcs, etc. Donc, c'est le modèle de l'émission du 7 mai. Je ne vais plus répéter ce que j'ai déjà dit parce que je ne veux plus vous fatiguer, je ne veux pas vous fatiguer. Je rappelle le site de la télévision roumaine, www.tvr.ro, et l'émission Télé-Școală. Et aujourd'hui, je me suis proposé de faire, comme pour la première partie, comme pour l'entraînement à l'écrit, de faire un peu de décryptage de ce qui existe sans se voir, du travail qui ne se voit pas lors de l'exécution de la tâche, mais qui est essentiel. Donc, on va s'intéresser aux aspects qui tiennent à la préparation, qui tiennent à l'entraînement, et pas
vers ce qui sont relatifs au soutien de l'épreuve. Je répète ce que je viens de dire en début de leçon. J'ai choisi cette structure et je m'adresse non seulement aux élèves en terminale, je m'adresse aussi aux élèves de 9e, de 10e classe, aux élèves qui doivent commencer très tôt s'entraîner pour ce type d'examen, pour ce type d'épreuve. Pour eux, il est important de savoir qu'il faut se créer un mécanisme d'entraînement, il faut se créer un mécanisme d'apprentissage. Et une bonne technique d'apprentissage, exercée, pratiquée le long des années, ça va rendre plus facile leur tâche à l'examen final. Donc, pour le sujet type 1, il suffit de préparer à peu près les mêmes contenus qu'on prépare pour le sujet numéro 1 de l'écrit. Parce que pourquoi venir à Bucarest? Alors, j'ai besoin d'une localisation temporelle, spatiale. J'ai besoin surtout de l'indicatif présent parce que vous êtes dans le descriptif. Il faut venir à Bucarest parce qu'il y a des musées, parce qu'il y a des lieux de divertissement, etc. Il faut avoir les verbes les plus courants. Donc vous voyez, je fais un inventaire de savoir dont on a besoin. Il faut bien sûr connaître l'article défini parce que vous parlez de l'Athénée, vous parlez de, je ne sais pas, l'Académie romaine, la bibliothèque, etc. Vous avez aussi besoin de quelques articulateurs simples, et, mais, donc, etc. Et bien sûr, vous avez besoin de l'adjectif qualificatif, parce qu'il faut dire qu'il y a des choses qui sont belles, il y a des choses magnifiques, etc. Donc, vous avez besoin de l'adjectif qualificatif. Pour le sujet type 2, on fait l'inventaire des savoirs nécessaires, tout comme pour l'écrit. Je vous conseille, pour ceux qui regardent sur YouTube ou sur la page de Facebook, de regarder de nouveau les diapos de 4 à 7. Donc, l'inventaire, ça, j'insiste sur le fait qu'il faut faire un inventaire des savoirs. D'accord ? Je vais vous rappeler le sujet type 2, un samedi typique, voilà, quand vous étiez enfant, et parce qu'il faut raconter quand vous étiez enfant, d'accord? Parce qu'il faut utiliser surtout le passé dans la description, alors il vous faut des savoirs un peu plus complexes que pour le premier sujet. Bien sûr, il faut avoir la localisation temporelle, vous devez inventorier quelques prépositions de temps, quand, pendant, depuis, etc. Vous avez besoin de quelques adverbes de fréquence, souvent, toujours, parfois, etc. Parce que vous allez parler des activités récurrentes, vous allez parler de vos habitudes. Et puis, peut-être la partie la plus importante, vous avez besoin du passé composé et de l'imparfait. Ça, c'est vraiment le défi du deuxième sujet. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les sujets de type 1 et les sujets de type 2. Donc vous êtes maintenant en plein niveau A2, disons, début du niveau B1. Pour cela, vous cherchez, vous révisez le passé composé pour situer les événements dans le passé et l'imparfait pour les descriptions dans le passé. Parce qu'on est en plein entraînement, donc parce qu'il faut s'entraîner, on va voir si vous maîtrisez la formation des deux temps et si vous maîtrisez les articulateurs simples. Pour cela, je vous propose un petit exercice. Vous devez compléter avec les terminaisons verbales et vous devez mettre les mots suivants au bon endroit. Vous avez deux fois à introduire « et deux fois « ou » et une fois « mais ». Je vais faire la lecture pour vous. La démocratisation des médias. Et puis vous avez le verbe faire, croire au peuple que tout le monde, puis le verbe pouvoir, être animateur, publicitaire, journaliste, humoriste. Il, et puis le verbe suffire, d'avoir un ordinateur, un smartphone, une webcam. La notoriété, et puis le verbe être,
plus une affaire de privilégiés, une compétition ouverte à tous. La moindre blogueuse dans sa studette, puis le vert pouvoir, au passé composé ou à l'imparfait, c'est à vous de dire, donner son avis sur la dernière collection Chanel en échange d'un sac gratuit, n'importe qui, puis le verbe se prendre pour une star. Après, vous devez introduire un articulateur, parfois le et après le verbe devenir. Le pouvoir des médias, et puis vous avez le verbe s'effondre dans les années 2000. Aucun patron de presse ne. Puis vous allez mettre le verbe voir, venir. Il plus verbe être, trop occupé à déjeuner au Fouquet avec Maurice Lévy. C'est un fragment de L'homme qui pleure de rire. Avant d'accomplir la tâche, si vous constatez que vous ne maîtrisez pas assez la formation de l'imparfait ou la formation du passé composé, je vous rappelle, je vous ai indiqué des sites, je vous ai indiqué des liens pour réviser les deux verbes. D'accord ? Et bien sûr, ça va venir la variante correcte. Je vous laisse repérer maintenant les terminaisons et la position des articulateurs. Vous observez que lorsqu'on parle, lorsqu'on décrit, lorsqu'on raconte, l'imparfait devient essentiel, il est majoritaire dans le discours. Le passé composé apparaît uniquement deux fois. Et c'est ça. Si vous avez bien fait cet exercice, alors il est un indice pour vous que vous maîtrisez la formation. Il vous reste à vérifier si vous maîtrisez, bien sûr, l'emploi des deux temps. Pour l'emploi, ça veut dire pour la partie la plus importante, il faut se rappeler à quoi sert le passé composé et à quoi sert l'imparfait. Vous savez que le passé composé et l'imparfait servent à raconter, mais que chacun a son rôle dans la phrase, chacun a son rôle dans la succession et dans la temporisation des actions. On commence par le passé composé. Il sert à raconter des événements ponctuels du passé. Vous avez deux exemples ici. Hier, je suis allée au cinéma. Hier, donc hier, ça indique la ponctualité de l'action. J'ai vu un film de Pedro Almodovar, donc c'est une action qui commence et qui finit bien dans le passé. L'année dernière, nous avons visité Berlin. C'est une action ponctuelle. On l'a visité une fois l'année dernière. Puis, vous utilisez toujours le passé composé pour des événements bien délimités dans le temps, dans le passé évidemment. Vous avez deux exemples. Ils ont attendu le bus pendant 10 minutes, puis il est rentré chez lui vers 17 heures. Nous avons vécu 4 ans au Liban, donc voilà, c'est très bien délimité dans le temps, c'est très bien précisé dans le passé. Vous pouvez avoir toujours, avec le passé composé, une succession de faits dans le passé. Elle s'est couchée, elle a lu, puis elle s'est endormie, voilà. Vous pouvez exprimer aussi une rupture, un changement d'état par opposition aux actions que vous avez exprimées à l'aide de l'imparfait. Par exemple, il conduisait très vite, voilà, c'est le contexte. Un jour, il a eu un accident, ça c'est l'événement qui change, l'événement de rupture qui change le cours des événements. Elle était malade, ça c'est le contexte, disons. Et puis l'action principale, finalement, on a découvert un médicament qui l'a guéri. Le passé composé sert aussi à raconter un événement qui a un prolongement dans le présent et qui explique une situation présente, un résultat. Exemple, j'ai toujours pensé que c'était possible et je continue à penser maintenant la même chose. Il n'a jamais vu ce film
et il ne l'a toujours pas vue au moment où je parle. Donc, ce qui était valable dans le passé continue d'être valable dans le présent. Toujours pour le passé composé, vous, à l'aide du passé composé, vous racontez un fait répété dans le passé. Je lui ai écrit plusieurs fois, mais il ne m'a pas répondu. Je lui ai écrit plusieurs fois, mais et il m'a répondu une fois, des choses comme ça. De l'autre côté, l'imparfait sert à raconter des habitudes, des répétitions, des actions récurrentes dans le passé. Comme vous le voyez dans l'exemple, dans les deux exemples, à l'époque, personne n'avait de voiture. Avant, il jouait au tennis le lundi. Je tiens ici à vous faire remarquer qu'il y a une différence entre hier, l'année dernière et à l'époque, avant. C'est la différence entre un indicateur temporel assez précis et un indicateur temporel qui n'est pas du tout précis. On ne sait pas à quelle époque et ce que ça signifie avant dans les deux phrases. Toujours l'imparfait sert à raconter les circonstances, le décor d'une action, comme vous l'avez déjà vu dans un exemple antérieur, mais voilà, vous avez encore deux exemples. Quand je suis sortie de chez moi, il faisait beau. C'est le décor, ce sont les circonstances. L'action principale, vous observez, vous l'avez exprimé avec le passé composé. Je suis sortie, c'est ponctuel, c'est précis. Les gens se promenaient dans la rue, les voitures passaient. Donc tout ça tient au décor. Puis l'imparfait, certes, employé dans le discours, a apporté dans le discours une certaine politesse, avec les verbes souhaiter, vouloir, aller, qui tient plutôt au discours académique. Ce n'est pas nécessairement utile pour votre tâche, respectivement pour raconter un samedi ordinaire, un samedi régulier quand vous étiez enfant. Je voulais demander, j'allais t'appeler, etc. Vous voyez cette liste, elle n'est pas une liste exhaustive, mais elle est une liste assez complète pour que vous puissiez procéder correctement à l'emploi des deux temps. Et maintenant, pour voir si vous maîtrisez l'emploi des deux temps, vous devez choisir la forme convenable dans ce texte écrit au passé. Je vais le lire pour vous. C'est à l'automne 1976, dans la cour du LEP, où, au désespoir de mon père, j'avais échoué et où je, et puis vous allez mettre le verbe aller, passer le restant de l'année que je perds faire la connaissance de Didier Leroux. À l'époque, les flics l'avaient déjà coffré deux fois pour des bagarres dans le centre. La plupart des rumeurs qui, et puis vous utilisez le verbe concerné, les filles, le, encore une fois le verbe concerné, lui. Toute la famille, le verbe être, cinglait, mère dépressive ou bien alcoolique, les versions après le verbe varier, un père qui le, plus le verbe battre, un père qui, c'est le verbe tenir, le bar tabac PMU du centre commercial, juste devant, puis le verbe se trouver, l'abri du bus numéro 5, une carcasse de tôle rouge et blanche, maculée de boue, toute brinquelante, qui deux fois par jour me, le verbe faire, traversait le boulevard de Saxe, séparant la banlieue HLM où, le verbe se trouvait, le collège de la nôtre à prétention plus résidentielle. Un après-midi du début de l'automne, alors que, puis le verbe attendre, ce bus, j'avais vu le père Leroux se ruer depuis son comptoir sur un type passant devant la galerie marchande. Les raisons de la furie me, puis le verbe restait toujours obscur, contrairement à l'image que je, puis le verbe garder de la scène. Observez que la majorité des verbes qu'on a utilisés, que l'auteur de ce fragment, c'est un extrait du roman « Quand j'étais normal ». L'auteur a utilisé des verbes majoritairement de premier groupe, concerner, varier, se trouver, garder, rester. Il y a peu de verbes de troisième groupe, attendre, battre, faire, être,
aller, qui est un verbe irrégulier. Donc, il n'y a pratiquement pas de défi en ce qui concerne la formation. La seule chose qui est importante, c'est de bien savoir, de bien connaître l'emploi. Vous avez le corrigé. Je vous laisse voir si ça correspond à ce que vous avez pensé. Vous observez, il y a très peu de verbes au passé composé. Si j'observe bien, c'est le verbe rester, le verbe garder, le verbe faire. Les autres, comme on a vu antérieurement, sont plutôt des verbes à l'imparfait. Pourquoi ? Parce que la description se fait généralement avec l'imparfait. Automatiquement, vous avez une variété plus large de verbes à l'imparfait. D'ailleurs, l'imparfait, si on compare avec le passé composé, c'est plus facile. Alors, ça va être facile pour vous aussi. Pour la structure du texte, du récit argumentatif, je vous conseille de regarder l'émission « La leçon du 10 avril ». J'espère qu'à ce moment-là, je vous ai donné des indices suffisamment clairs pour que vous puissiez faire bien cette tâche. Si vous maîtrisez bien cette technique, alors vous avez toutes les chances qu'en terminale, l'examen soit un succès. Merci encore une fois. Tout pour aujourd'hui. Dacă vreți să revedeți lecțiile, nu uitați că acestea sunt disponibile și online pe site-ul tvr.ro sau pe canalul de YouTube al Televiziunii Române. Pe săptămâna viitoare, weekend plăcut, prieteni!